que j'appelle une entrée en matière. Salut tout le monde et bienvenue, aujourd'hui on est sur BeamNG Drive. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour y retourner parce qu'il y a eu énormément de mises à jour comparé à la toute première version quand moi j'y avais joué. J'avais fait une vidéo sur la chaîne il y a déjà super longtemps, il y a au moins 3 ans je crois. On est avec une petite Sunburst édition 2 litres sport. Alors je sais pas si c'est une vraie voiture, honnêtement ça me fait penser un petit peu à une Subaru. On est sur la map Brutal Slope 2.0, donc c'est bien entendu une map modée. Va y avoir des sauts, va y avoir du crash, va y avoir plein de trucs dans cette vidéo, va y avoir des tests, du fun, du délire. En tout cas les gars, les filles, on me déglingue cette barre des likes sous les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et je vais voir comment vous accueillez cette première vidéo de BeamNG Drive. Et si je vois qu'il y a beaucoup de pouces bleus, qu'il y a des bons retours dans les commentaires et tout, eh bien on fera éventuellement un deuxième épisode. En tout cas moi je suis super content de vous présenter ce jeu. Il est juste terrible avec toutes les mises à jour qu'il y a eu. Ou attendez, on va passer un petit coup de 3. Voilà, on va s'arrêter par ici. Je pense qu'on va switcher sur la gauche de la map parce que c'est là que ça va être le plus intéressant. On va se mettre en vue libre. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Ouais, je sais pas pourquoi je suis parti jusqu'ici en fait. C'était peut-être pas spécialement le bon bail. Je pense qu'on va commencer soft. On va commencer juste ici. Alors bien sûr, je suis tout en manuel. Comme vous l'avez vu, il y a un trépied juste derrière moi. Donc c'est qu'il y a une caméra qui filme mon volant. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et donc là, on va se jeter dans le gouffre. J'y étais comme un barbare, mon gars. Alors par contre, au niveau... Oh putain, mais c'est un truc de fou. Ça part en sucette, mon gars, mais direct. Au niveau comportement voiture, au niveau réalisme, au niveau de la physique, je crois qu'à l'heure actuelle, arrêtez-moi si je me trompe pour ceux qui connaissent, mais il n'y a aucun jeu qui arrive à la cheville de BeamNG Drive en ce qui est pour le réalisme. Mais qu'est-ce que... Je me suis remis à peu près droit. On arrive à plus de 200 km/h. Oh putain, on va se taper un saut juste au bout. Je suis pas sûr de l'avoir. Oh putain, je vais le louper. Ah, je vais... Ah non, on va l'avoir. Non, on va l'avoir. Ouh, mais quel saut de malade mental, mon gars. Et ce que j'adore, vraiment, c'est ça. C'est un truc de malade. Et la physique, mais... C'est juste... C'est énorme. Regardez ça. Même le moteur et tout, mais... Tout est tellement réaliste dans ce jeu. Vraiment, je surkiffe. C'est un truc de ouf, quoi. On va se faire une autre petite rampe. Donc, celle-ci, on l'a faite déjà. Pour vous dire, il y a même eu des vidéos qui ont comparé BeamNG Drive à la vie réelle. Pour vous dire à quel point ce jeu est réaliste. C'est un truc de fou, quoi. Alors, attendez, je vois un truc, là. Oh putain, ça, ça m'intrigue. On va tenter d'y aller comme ça. Ah ouais, non, ça passe quoi? Et si on y arrive, il va être énorme celui-là. Il va tellement être énorme. Et c'est pareil, dans le jeu, vous avez tellement de scénarios possibles. On a des campagnes, on a de la conduite libre. Comme ici, là, je suis en conduite totalement libre. On peut modéliser soi-même sa map, soi-même sa bagnole. C'est vraiment... Le jeu est ultra complet à l'heure actuelle, quoi. On va vraiment prendre le maximum d'élan. Ok, c'est parti, les mecs. On enclenche le moteur. Ah, je la sens pas trop mal. Je la sens pas trop mal. Ah, par contre, la bagnole, elle galère. On a l'impression qu'elle est freinée avec les bandes sur les côtés, là. Je la sens bien, je la sens bien. Ouh. Je la... What the fuck, mon gars? Mais je suis resté quoi? Mais pourquoi? Ok, cette fois-ci, on se la tente en vue intérieure. Ça risque d'être le délire total. On arrive à plus de 120 km/h. 140. 160, on va bloquer le compteur. On est à combien? Oh, bah... Ah oui, ok, d'accord. Je suis loin, en fait. On arrive à 200... À 300 km/h. Fond de sixième. Oh putain. Je la loupe. Oh, je l'ai loupé. J'ai rupté le moteur. J'ai rupé. Oh, oh non, je suis... Oh, je l'ai tellement loupé, mon gars. Waouh. Celui-là, il a l'air tellement terrible, mon gars. Il faut vraiment qu'on se le fasse, celui-là. Ah, j'hésite à me le faire en vue intérieure, celui-là. Faut savoir que je kiffe la vue intérieure dans les jeux de voiture. Ah, surtout avec le volant. C'est tellement immersif. Ah, on va se le tenter comme ça. On va se le tenter comme ça. Ah, putain. Ça va, je suis pas trop mal parti. On va voir à combien on peut passer le saut. Quatrième, cinquième. Sixième. Allez, on est à fond de balle. Allez, fond de balle. Tout à l'heure, on a passé les 320. Je pense que là, on peut les passer clairement. Allez, on a passé la barre des 300 km/h. Accrochez-vous, les mecs. 330. Oh, j'ai rupté le moteur. J'ai cassé le moteur. Sur régime. Sur régime. Oh, non. Oh, sur régime. Oh, c'est tel... Oh, non. Oh, je suis deg. Je suis deg, mais regardez le crash.
Ah ouais. Ok, cette fois-ci les mecs, on se retrouve sur une map complètement vide pour effectuer quelques petits crash tests. Enfin, complètement vide. Plus ou moins, on va dire. Bah, il est déjà tombé celui-là. Bah, mon vieux, t'as fait une insolation. On connaît tous ces petits mannequins qui sont utilisés dans la vie réelle pour effectuer de vrais crash tests. Et bah, nous, on va les utiliser dans BeamNG. Cette fois-ci, on se retrouve avec une KC6T qui me fait un peu penser au châssis d'une Mazda. Ouais, carrément, en fait. On part en burn. Ah, par contre, mon gars, ouais. On sent la propulsion. On sent la propulsion. Allez, on se remet droit. Ah, j'aurais même pu me placer encore plus loin, hein. On va voir ce que ça donne au ralenti. Ouh. Eh ben voyez, ce sera une vidéo prévention ça. Attendez. Et crac, je mets le jeu en pause. On va se faire un petit ralenti fois 100. On arrive quand même à 213 km/h. Je suis encore en train d'accélérer, même pendant le ralenti. Et regardez ça, juste... Voilà, ça c'est ce qui arrive quand vous vous faites faucher à 216 km/h. Oh, ah ouais mon gars, non mais... Non mon gars, t'as juste plus de jambes, t'as plus rien quoi. Bah ouais, c'est la fin, c'est normal quoi. Nouveau crash test, cette fois-ci avec un bus. Alors on s'est mis relativement plus loin pour prendre beaucoup plus d'élan et pour pouvoir leur foncer bien dans la face. Donc le bus est entièrement automatique. On a bien sûr une petite vue intérieure, hein. Toujours, bah dans tous les véhicules, c'est... Ah, j'ai vraiment envie de me le tenter en mode vue intérieure. Allez, on se lance un petit replay histoire de pas rater ça. Nous, on va leur foncer droit dessus. On est à 92 km/h. Je suis à fond là. Je peux pas aller plus vite, hein. Mais regardez ça. À mon avis, la puissance d'impact est juste hors norme. Imagine-toi, tu finis comme ça sur un bus. On va se mater le replay. Ah ouais, Ah bah tu finis en galette bretonne direct mon gars. C'est comme ça qu'on fait les crêpes bretonnes. Crape mon gars. Ok, nouveau crash test les mecs. Donc cette fois-ci on est sur la map East Coast. Il me semble que c'est une map officielle celle-ci. Alors d'un côté nous avons la KC6. Et de l'autre côté on a juste un Camtar. On va demander à l'intelligence artificielle de nous poursuivre. C'est-à-dire que coûte l'intelligence artificielle va toujours vouloir nous rentrer dedans. On va voir comment les choses vont se goupiller. On est en vitesse manuelle bien sûr. Et on va aller faire un gros face-à-face avec le Camtar. Qui arrive juste droit devant moi. Oh putain. Oh. Non mais regardez-moi ça, ce niveau de réalisme. Mais c'est... Oh là là. Imagine-toi comment tu finis en vrai mon gars. Imagine-toi, quand je vous ai dit que c'était une vidéo prévention aujourd'hui. Attendez, j'ai vraiment envie de me la refaire. Elle était vraiment énorme cette scène. On va tenter de frapper un peu plus vite. Imaginez-vous un frontal avec un poids lourd sur l'autoroute. Mais là, vous avez une idée de ce que ça fait. Hein. Et comme je vous dis, c'est réel. C'est carrément comme ça que ça se passe, quoi, tu vois. Ça a été prouvé, il y a eu des vidéos pour différencier la vie réelle de BeamNG. Regardez ça. J'arrive à 170 km/h en face du camion. Quasiment 170. Regardez-moi ce... Oh là là, mais non, mon gars. Engine détruit, pneus dégonflés. Bah, tu m'étonnes, toi, tout. J'ai niqué la bagnole, là. Ce niveau de réalisme est juste... Et là, je te laisse imaginer les dégâts. Le camion, lui, ça va, tranquille, tu vois. Au pire, le camion, il va être choqué à vie. Mais toi... Je sais pas comment tu finiras quoi. Ok, cette fois-ci je vous propose de faire un face-à-face avec deux bolides. Petite Mégane Break, franchement elle déchire. Alors c'est pas une Mégane Break, hein, c'est une ETK série. Mais ça me fait vraiment penser à une Mégane Break. Il me semble que c'est ça au niveau de la carrosserie. Donc nous on va prendre notre petite KC6T. On va demander à l'IA de nous poursuivre comme tout à l'heure. Mais là par contre ça risque, croyez-moi, on va balancer le record. Voilà, on va se faire un petit replay bien sûr de tout ça. Accélère! Regarde, j'y fonce dessus. Oh putain, je l'ai loupé. Merde. Ok, cette fois-ci, on va pas le louper, les mecs. Je vais vraiment lui faire un face-à-face. Il est là. Oh.
C'est pas possible, il m'esquive. Allez, cette fois-ci, je vais pas te rater, mon gars. Il arrive, il est là. On le rate pas, Ouf! Oh! Encastré, mon gars. Encastré, mais... Oh! T'imagines... Eh, putain, mais... C'est comme ça que ça finirait, en vrai. C'est comme ça que ça finirait. Attendez, on va se regarder le replay, mais... regardez le frontal. Regardez le frontal, toi. Oh! Regardez ça! Elles ont fusionné, mon pote. Elles ont fusionné, les deux bagnoles. Oh là là. Eh ouais, mon gars. Qui c'est qui fait le constat, les mecs? Non, franchement, c'est chaud. C'est hard, mon gars. Ça peut être choquant, en vrai, tu vois. Bon, là, bien sûr, il n'y a personne dans les voitures, tu vois. Mais tu te dis que c'est des scènes. C'est des scènes qui peuvent être réelles, mon gars. Tu te rends compte, deux ouf qui roulent comme ça sur l'autoroute. Moi-même, j'ai déjà vu des gars faire la course sur l'autoroute. Je suis tranquille en train de conduire et tout. Tu te fais doubler par la droite, par la gauche. Ça slalom et tout. Mais des barrés, mon gars. Des baisers, les mecs. Des baisers. Bon, écoutez, les mecs, on va s'arrêter là pour la vidéo sur BeamNG Drive. J'espère que vous avez sincèrement kiffé la vidéo parce que... Merde, putain, mon vieux. Si je casse ma boîte à vitesse, ça va pas le faire. Moi, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à jouer à ce jeu. Il est juste énorme. Si je vois que vous êtes nombreux sous les likes, sous les commentaires, je me ferai un réel plaisir de retourner sur le jeu parce que c'est juste une dinguerie, quoi. J'ai déjà niqué le truc. Moi, je vous laisse avec ce dernier saut. Non, je peux pas vous laisser avec ce dernier saut. Voilà, celui-ci va être mieux. Je vous laisse avec ce dernier saut. N'oubliez pas de checker les vidéos qui s'affichent sur le côté du jeu. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On va se prendre ce dernier saut en beauté. Moi, je vous dis... Je vous dis à bientôt et... Ciao tout le monde, bye! Énorme.